comment ça se mange? C'est un sandwich le truc? Ok, juste très court avant que la vidéo commence, Gin Support c'est de l'énorme merde avant Master Minimum. Et encore, il y a même des games où ça va être de la merde. Pourquoi? Parce que personne va jouer autour de toi. La plupart du temps, ils vont te laisser à la botlane en 2v4, alors que c'est un champion qui snowball de fou, vu que c'est pas un mage et que c'est la plupart du temps du pot and click comme un ADC. Il a un des meilleurs level 1 du jeu qui peut stomp une botlane s'il a un petit peu d'aide, et vous allez voir ça pendant la vidéo. Il a un full up de gank insane, pareil pour les teamfights. Il y a plein de possibilités à faire pour les traps au niveau de la temporisation. Bref, j'ai fait cette petite parenthèse pour vous expliquer que je ne ferai pas de guide sur Jhin parce que c'est de la merde pour carry et vraiment c'est pas le bon bail si vous voulez monter en elo. Si vous voulez vous amuser, bah même ça c'est compliqué parce que personne joue autour de vous alors que le pic c'est sa force en fait. Donc enjoy, c'est une des rares games où mon équipe joue autour de moi avec Jhin support. Fun. J'ai une caissa avec Jhin, c'est le pire combo ever. On va se faire soulever. Ah mais c'est wardé, ok, c'est relou. Bah ouais. Je vais prendre Ignite. J'aimerais bien mon niveau 2 en vrai. Bâtard. Il me faut mon niveau 2. Tape ça, tape ça, tape ça. Boum, 420. Elle a passé des trucs partout lui. C'est le bordel là. Elle fait le kill mais elle meurt. Attends, je vais en profiter pour avoir la stack ici. Je me barre. J'étais en train de recharger, franchement, je sais pas si je pouvais le... si je pouvais follow. Bon, en vrai de vrai, les deux junglers ont commencé... Oh putain. Fuck. Je vous safe, je vous safe. Putain. C'est sûr qu'on perd là, le trade. Oh, ça c'est une erreur ça. Et oui, tu prends l'aggro là-dessus. Il est mort. Oh, mon cul est pas parti. C'est chiant, il continue de jouer bot l'autre. Ah, je suis deck, putain. T'es pas 6. Ah, t'avais plus rien. Dommage. Et ouais, il vient de faire son truc là. Bon alors je prends tous les jours hein. Même gratter un peu d'XP là. Merde. Un ult. Nice. Oh, les boules. Il a joué avec le feu le bâtard. Complètement fou lui. Et là tu peux sidestep ça mon gars. Tu peux sidestep ça. Eh non. Ah c'est une game quali ça. C'est très très rare et ça fait super plaisir. Bah du coup tu vas te prendre la boule hein. Eh oui. Ah bah quand ton jungler joue bot, la plupart du temps c'est un très très bon signe hein. Ouais mais je... Merde. C'est le clone ça? Ouais, c'était pas le clone? Step à droite ou Nunuk te bouffe. Il meurt pas le Nunu hein. Et merde, il meurt. Ultime de GP.
Ah, dommage. Non, c'est vraiment le clone lui? Non, c'est pas le clone. Non! Ah, dommage. Repars faire Mumus de la mid lane toi. Va faire du PvE. PvP c'est pas pour toi. Voyez ça, un Jhin fed. Comment c'est agréable. Est-ce qu'il va me ult? Tu le W, je le fais. Dommage. Ça arrive de partout, faut regarder de partout ici ce jeu. Oh, je suis un connard. Ah non, je rate tout. Je rate tout, mais ça suffit. Hein. Bien joué. Tu vois là par exemple, j'ai fait un ultime. Pour que mon équipe puisse engager. Bah... Avant D1, D2, il y a de fortes chances qu'ils comprennent pas que c'est le moment d'engager en fait. Mais genre le fait d'avoir de la portée, je trouve ça dingue. Après Draven, ce qui est cool, c'est que vu qu'il ramasse des haches, bah tu peux vraiment le pré-shot facile quoi. Il est là. Le Q qui touche les 3. GG. Autre. Oh non, il est FF. Est-ce qu'on peut air flash? Non. Belle game parce que jungler. C'est très rare que je sois premier au DPS. Hein. Faut vraiment me donner des kills en early et tout. Hein. C'était quoi l'élo? Parce que franchement, c'était clean.